Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 33 sur Assassin's Creed. On continue notre aventure secondaire pour avoir des informations sur Robert de Sablé et sa cargaison. Et on continue notre petite aventure. On va passer par les toits pour aller plus vite. Voilà. Mais si je comprends que je vais te tuer si tu continues. Hop, 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 on esquive. Tac, tac, tac. Hop. Allez, on progresse. On va tourner. Comme ça. Faut rentrer. Ah, faut rentrer peut-être par là du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien, y'a rien. Hop, voilà. Bon, écoutez, rien ne vaut. Il va s'attirer les ennuis. Voilà. Regardez. Non. Ma famille n'a rien à manger. Je vous en ai moins. Oh, bouge. Dégage. Eh ben, maintenant, il y en a deux. J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Foutez-moi la paix. Je suis malade et je crève de faim. Ah bah, il est là. Moi, je me cache, mais en fait, c'est lui que je dois voir. Content de te voir. Tu vas assister aux funérailles et supprimer de Sablé. Oui. J'ai tenté d'en savoir un peu plus, mais je n'ai rien de nouveau. Tout est calme ici. Mais Tariq aura peut-être quelque chose à t'apprendre. Tu le trouveras non loin d'ici. Va le voir. Il te dira ce qu'il sait. Mais en gros, t'as servi à rien, Coco. Ok. Bon, ça n'a pas l'air de supprimer notre mission, donc c'est ça qui est cool. Mais avance! Merci! Hop! Vous inquiétez pas, on va aller semer. Wow, 28 secondes, vite, vite, vite. T'es pas sérieux? Oh non, ça c'est salaud ça. Vous allez mourir. Ça m'a fait perdre énormément de temps, je suis désolé les amis. Je suis complètement désolé. Un peu d'argent. J'ai faim. Mais enfin. Rassurez-vous. On va y arriver. C'est pas une mission des plus difficiles, c'est juste que bon. On n'a pas pu s'en défaire assez vite. Voilà. Ça a dû faire mal. On dirait qu'il a le diable à ses trousses. Vas-y, grimpe. Voilà. Hop. Tu n'as rien à faire, je t'en. Va-t'en. Je m'en vais. Regarde un peu où tu vas. Oui, t'inquiète. Oui, il est là. Juste au bon moment. Voilà.
J'ai des informations qui te seront utiles. Je sais où seront les gardes. Cette carte t'indiquera où De Sablé va les poster. Fais-en bon usage. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai la forte impression qu'on a fini toutes les quêtes. Donc écoutez, on va aller retourner au bureau. Et on est bon. Je rappelle que le petit rond ici, c'est les érudits. Hein. C'est pas une quête. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça ? On dirait qu'il a le diable à ses trousses. On n'est pas loin. Il va finir par se blesser. Mais non. Il ne compte pas sur moi pour l'aider. Bon bah t'inquiète pas là-dessus, pépé. Hein. Le feu de la guerre consume notre terre. Il a fallu sacrifier des milliers de vies pour la défendre. C'est une tragédie, bien sûr. Mais aussi un grand honneur. Ok. Il n'y a pas de plus grande gloire. On est un peu bourré, Altaïr, là. Hop. C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'assiettes arrivent. Et ils sèment la terreur dans leur pillage. Non, s'il te plaît, descends. J'appuie sur Shift. Voilà, merci. Allez, salam. Ta mission semble avoir été couronnée de succès. J'ai beaucoup appris sur nos ennemis. Bien, dis-moi ce que tu sais, et nous verrons ce qu'il convient de faire. Robert de Sablé et ses Templiers sont ici. Ils sont venus honorer la mémoire de Majdadin et assister à ses funérailles. Je vais les y accompagner. Pourquoi les Templiers assisteraient-ils à ses funérailles ? J'ignore quelles sont leurs intentions, mais je finirai par le découvrir. Les habitants sont très divisés. Certains voudraient les voir morts, d'autres disent qu'ils sont ici pour parlementer, pour faire la paix. La paix ? Je te l'avais dit. Ceux que j'ai déjà tués m'en avaient parlé, eux aussi. Cela ferait d'eux nos alliés. Et pourtant, nous les supprimons. Ne t'y trompe pas. Nous n'avons rien à voir avec ces hommes. Ils semblent poursuivre un but très noble, mais ne reculent devant rien. Du moins, c'est ce que m'a dit Al-Mualim. Et quel est ton plan ? Assister aux funérailles et affronter De Sablé. Le plus tôt sera le mieux. Puisse le destin guider ta lame, mon frère. Malik, avant de partir, je dois te dire quelque chose. Parle, je t'écoute. J'ai été stupide. Loin de moi l'idée de te contredire, mais enfin... De quoi parles-tu exactement ? Tout ce temps, je n'ai jamais exprimé aucun regret. J'étais trop fier. Mais tu as perdu un bras par ma faute. Perdu Kadar. Tu avais toutes les raisons d'être en colère. Je ne peux pas accepter tes excuses. Je comprends. Non. J'en doute. Je ne peux pas accepter tes excuses car tu n'es plus l'homme qui m'a accompagné dans le temple de Salomon. Tu n'as plus rien à te faire pardonner. Malik. Si je n'avais pas été jaloux de ta réussite, je n'aurais peut-être pas pris autant de risques. J'ai des torts, moi aussi. Non, Malik, ne parle pas comme ça. Nous sommes unis. Nous partageons la gloire de nos victoires comme la douleur de nos défaites. Nous nous sommes rapprochés, toi et moi. Nous sommes plus forts. Merci, mon frère. Repose-toi si tu le souhaites. De nouvelles épreuves t'attendent, Altaïr. C'est beau ce qu'il dit, hein. C'est très beau ce qu'il dit. C'est très très beau ce qu'il a dit. Franchement, j'avais envie de verser ma petite larme, vous voyez. J'avais envie de verser ma petite larme. Oui, bah on a tout fini, bah go. Hop. Normalement j'ai tout fini, mais je crois qu'il y a un truc qui est pas validé, je sais pas pourquoi. Bon enfin. Je me concentre hein, pour quand même
aller vite et aller loin. Il va finir par défaire. Non, pas besoin d'aller là. Tu te calmes. Alors ça c'est con. C'est con. Oui. Ah, je peux avancer. Ok, je peux avancer. Wow, wow, wow. Nous sommes ici pour pleurer la perte de notre bien-aimé mage Nadine, qui nous a été enlevé trop tôt. Sa mort est pour vous cause de chagrin et de douleur. Mais il ne faut pas, car comme tous un jour nous avons été mis au monde, un jour nous devons tous également quitter ce monde. C'est une loi de la nature, comme le lever et le coucher du soleil. Prenez un instant et rappelez-vous ce qu'a été sa vie et remerciez-le pour tout le bien qu'il a fait. Sachez qu'un jour, vous vous tiendrez à ses côtés au paradis. J'ai envie de lancer un couteau. C'est la minute de silence, c'est ça ? Amen. Comme vous le savez, cet homme a été tué par un hérétique. Nous avons tenté de retrouver le meurtrier, mais malheureusement sans succès. Ces créatures restent tapies dans l'ombre et se gardent de ceux qui veulent les affronter loyalement. Il semblerait que l'un d'entre eux ait voulu se mêler à nous. Ah. Sa présence est une véritable offense. Nous le lui ferons payer. Saisissez-le, qu'il comparaisse devant nous et que la justice de Dieu soit faite. Ok, ça va être dur. Oh, mais c'est dur avec le... Et c'est dur avec les archers, là. C'est dur avec les archers. Alors, attendez. Yeah.
Il va être dur lui hein. Bon attends parce que là non mais c'est pas vrai. Et c'est dur hein. Non. Je l'avais tué. Utilisez la vue action pour. Bon attendez. On va se concentrer. Là je ne parle plus. Vraiment je ne parle plus. Je me concentre. Attendez, parce que là, c'est un peu chiant la situation là. J'aimerais pouvoir tuer. Mais laissez-moi fuir! Wow! Attendez, c'est n'importe quoi! Ah non, pas du tout. De la sorcellerie. Pas de la sorcellerie. Nous savions que tu serais là. Nous voulions être sûrs que Robert réussirait à s'en tirer. Alors il s'est enfui. Il faut bien reconnaître que tu as fait échouer nos plans. Et cette fois, tu as bien failli parvenir à tes fins. D'abord le trésor, puis nos hommes. Le contrôle de la Terre Sainte nous a échappé. Robert y a vu une opportunité. Réclamer ce qui avait été volé. Et tirer parti de tes propres victoires. Votre trésor est entre les mains d'Al-Mualim. Et nous avons déjà vaincu votre armée. Quoi que tente Robert de Sablé, il échouera encore. Ah, mais maintenant, les Templiers ne sont plus vos seuls ennemis. Sois plus clair. Robert est en route pour Arsouf, où il exposera son plan. Les Croisés et les Sarrasins, unis contre les Assassins. Cela n'arrivera pas. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ils n'avaient aucune raison. Mais tu leur en as donné une. 9, c'est 9 victimes que tu as faites. Tu les as faites dans les deux camps. Grâce à toi, les Croisés et les Sarrasins ont un ennemi commun. Et ton ordre vit maintenant ses dernières heures. Oulala. Félicitations. Pas 9. 8. Que veux-tu dire? Je n'en ai pas après toi. Je te laisse la vie sauve.
Tu es libre maintenant, mais ne t'avise pas de me suivre. C'est inutile. Tu ne le rattraperas plus. Nous verrons. Eh ben, alors, excusez-moi les amis, c'était vraiment un peu anarchique, mais vraiment, ils m'ont énervé les archers. C'était vraiment les archers qui nous ont mis dans le mal, hein. Alors j'essaie de me mettre dans un endroit protégé contre eux, mais bon. Force est de constater que c'était pas une grande réussite, hein. Enfin bon, c'était pas le meilleur combat qu'on a mené, hein. Heureusement qu'on a des réflexes, mais bon. Allez, monte! Voilà. Va falloir viser mieux que ça, les gars. Esquive. Hop. Allez, enfonce. Hop. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Allez, enfonce, 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 enfonce. Hop. Wouhou! Bah vas-y, arrête-moi, qu'est-ce que t'attends? Ah bah c'est vrai, tu peux pas. Mais bien sûr que si. Alors je vois le bureau qui est juste là. Il me faut juste un endroit où me cacher. Wouhou! Ah, t'as pas voulu, ok. Fuck you! Allez, on grimpe. Et ben moi qui pensais qu'on allait tuer Robert de Sablé. En même temps, c'était à prévoir, hein, parce qu'il nous manquait encore une séquence et tout, le dénouement. Donc bon. C'était sûr qu'il allait avoir un couac comme ça, quoi. Wouah, mais j'ai vraiment pas de chance. Tiens, dégage. Voilà. Vas-y, viens. D'autres volontaires? Allez-y, venez, j'ai la flemme de me cacher. Allez-y, venez. Vas-y, viens. Tu veux pas? Voilà. C'était un piège. On m'a dit que l'enterrement avait mal tourné. Que s'est-il passé? Robert de Sablé n'était pas présent. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Il savait que je viendrais. Tu dois aller voir Al-Mualim. Je n'ai pas le temps. Et elle m'a dit où il est. Et ce qu'il prépare. S'il arrive jusqu'à Masyaf, il pourrait réussir. Et alors, notre ordre serait en danger. La plupart de ces hommes sont morts. Alors comment pourrait-il nous attaquer? Attends. Tu as bien dit elle? Oui. C'était une femme. Très inhabituelle. Mais ce n'est pas ce qui importe. Concentrons-nous sur De Sablé. Nous avons éclairci ses rangs, mais il est malin. Il va plaider sa cause devant Richard et Salah Hadid. Pour les unir contre un ennemi commun. Pour les unir contre nous. C'est impossible, tu dois faire erreur. Cela n'a aucun sens. Ces deux chefs ne feraient pas ça. Détrompe-toi. C'est nous qui avons eu tort. J'ai tué trop d'hommes. Trop d'hommes dans les deux camps. Trop d'hommes importants pour eux.
Le plan de Robert de Sablé peut paraître déraisonnable, mais il peut réussir. Écoute-moi bien. Les choses ont changé. Tu dois retourner à Masyaf. On ne peut pas agir sans la permission de notre maître, mon frère. Cela menacerait la fraternité. Je pensais que tu l'aurais compris. Ne te cache pas derrière des mots, Malik. Tu agites le credo et ses préceptes comme un bouclier. Il nous cache des choses importantes. C'est toi qui m'as dit qu'au lieu de savoir, il fallait supposer. Eh bien, je suppose que cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Quand j'en aurai fini, j'irai à Masyaf pour y trouver des réponses. À moins que toi, tu n'y ailles. Je ne peux pas quitter la ville. Alors mêle-toi à la foule. Trouve ceux qui servaient les hommes que j'ai tués. Informe-toi. Tu te dis perspicace. Tu y verras peut-être plus clair que moi. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Fais au mieux, mon ami. Moi, je fais route vers Arsouf. Chaque moment perdu est du temps gagné pour notre ennemi. Sois prudent, mon frère. C'est promis. Je serai prudent. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Pas possible, il y a quelque chose que j'ai oublié, non? Non, apparemment j'ai rien oublié. J'ai tout débloqué, pourtant il y a un petit objectif qui... Ouais, non, j'ai rien oublié. Objectif optionnel. Non, on a tout débloqué. Bon. Bah, écoutez... bizarre. Bon. Par contre... à souffle, là, je sais pas trop quoi. On connaît pas. Écoutez, on va aller à l'entrée de la ville et puis on va se laisser là. Hop. Non, monte par là, s'il te plaît. Merci. Voilà. Bon, c'est juste pour le plaisir, là, j'avoue. Fiche le camp, ça va. Il n'y a rien. Il va bousculer quelqu'un. Et on progresse. Allez vite, j'aimerais nous laisser à l'entrée de la ville. Hop. Tac. La musique, elle est géniale, je trouve. On n'a pas eu de dégâts de chute. Bizarre. Bah c'est bon, on est à peu près à l'entrée. Oh toi. Dégage. Hop. Ce sont des manières, pas moi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode et on se retrouve au prochain épisode pour aller à Assouf, tant que c'est le nom de l'endroit. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt sur de nouvelles aventures sur Assassin's Creed. Ciao, ciao.